Alors bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Je me présente, je suis Mélanie Marcel, la fondatrice de Soscience, une entreprise spécialisée en recherche et innovation responsable. Mais de façon peut-être plus importante aujourd'hui, je suis une ancienne élève de l'ESPCI et je serai votre animatrice ce soir. Alors j'espère que les photos qu'on a pu voir de cette exposition vous ont inspiré, vous en donnez peut-être du baume au cœur, parce que c'est des belles photos qui font plaisir à voir. Et vous l'avez compris, le but de l'exposition Femmes de science, c'est vraiment de montrer que c'est possible de faire des sciences et de faire des sciences à haut niveau et d'avoir des belles carrières quand on est une femme. Et puis que c'est non seulement possible, mais que c'est aussi rendu possible par des actions concrètes qui sont mises en œuvre par les organisations. Alors aujourd'hui, on va avoir deux tables rondes. Une première sur justement les actions qui sont mises en œuvre par le SPCI, par PSL, par les alumni, par le fonds. Et puis une table ronde avec quatre femmes de science que vous avez pu voir sur les photos, que je remercie d'être ici ce soir avec nous. Je sais qu'il y en a d'autres dans la salle et donc j'espère que pendant le cocktail, vous pourrez discuter avec elles et échanger. Et j'espère surtout que ce sera une soirée qui donnera envie aux jeunes femmes qui sont avec nous et puis qui ouvrira des portes et des possibilités. Alors pour commencer notre petit temps ensemble, je vais inviter à me rejoindre sur scène Marie-Christine Lemardelet, qui est adjointe à la mairie de Paris en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante, ainsi que Vincent Croquette, directeur général de l'ESPCI Paris PSL. C'est à vous. Je commencerai par vous remercier d'être présents si nombreux. J'étais impressionnée par l'affluence devant l'exposition, que je trouve magnifique aussi. Monsieur le directeur de l'ESPCI, cher Vincent Croquette, monsieur le président du fonds ESPCI, cher Jacques Lévinaire, monsieur le président des ESPCI alumni, cher Sylvain Gillat, et évidemment, je salue tous les présidents de toutes les compagnies. Je suis sûre que vous êtes tous présidents de quelque chose. Donc, je vous salue tous et toutes et je ne peux pas vous nommer tous et toutes. Donc, soyez les bienvenus, chers enseignants, chercheurs, les enfants. Il y a même des enfants, donc je suis très contente. Au nom de la maire de Paris, je suis très heureuse de vous accueillir ici, à l'Hôtel de Ville, pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui de la reconnaissance des femmes de science. Nous pouvons introduire cette table ronde par l'idée d'un petit jeu que je vous invite à pratiquer auprès de votre entourage, si vous avez un entourage de non-initiés, celui qui consiste à demander quelles sont les femmes de science qu'ils connaissent. À coup sûr, Marie Curie sera citée. Elle est l'une des figures scientifiques féminines les plus connues, très présente dans les manuels d'histoire, une figure à laquelle nous sommes particulièrement attachés à l'ESPCI, bien sûr, puisqu'elle est titulaire de deux prix Nobel et qu'elle a débuté ses travaux sur la radioactivité au sein de notre école avec Pierre Curie, son mari. Une fois que vous l'aurez citée, il est probable que votre entourage peinera à citer d'autres noms de femmes de science qui ont fait l'histoire. Et pourtant, c'est à Caroline Herschel, par exemple, que nous devons la découverte de nombreuses comètes, la composition d'une cartographie des étoiles très complète au XVIIIe siècle, astronome qui aura finalement été récompensée par la médaille d'or de la Royal Astronomical Society après de nombreuses années passées dans l'ombre de son frère William Herschel. C'est à une autre femme, Rosalind Franklin, que nous devons la première photographie de l'ADN. Et c'est après un doctorat de physique-chimie, elle étudie de nouvelles techniques de diffraction des rayons X. Et c'est de cette manière qu'elle réussit à prendre cette fameuse photo 51, récupérée par deux hommes qui obtiendront en 1962 le prix Nobel pour avoir percé à jour la structure à double hélice de l'ADN sans avoir jamais cité Rosalind Franklin. C'est bien connu, cette histoire-là est bien connue. C'est aussi à une femme, Françoise Barré-Sinoussi, et aux autres collaborateurs du professeur Luc Montagnier, que l'on doit la découverte du VIH en 1983, le virus responsable du sida. D'ailleurs, cette chercheuse de l'Institut Pasteur a été récompensée par un prix Nobel en 2008 aux côtés du professeur Montagnier.
C'est aussi à une femme, Chiara Nirgin, que l'on doit une découverte majeure pour l'agriculture. À 16 ans, cette jeune Sud-Africaine a eu l'idée d'associer des peaux d'orange et d'avocat pour former un polymère capable d'absorber plus de 100 fois sa masse en eau. Il augmente de plus de 80% les chances de survie des plantes en cas de sécheresse. Cette découverte naturelle, biodégradable et peu coûteuse pour les agriculteurs, a été récompensée par le Google Science Fair de 2016. Elle représente un espoir immense de protéger nos cultures face au changement climatique, prouvant une énième fois que la jeunesse n'est pas en reste en ce qui concerne la recherche et l'engagement. Il ne s'agit ici que d'un tout petit échantillon des chercheuses et des femmes de science qui ont participé à l'histoire du monde tel que nous le connaissons. Un monde qui évolue, puisque désormais les femmes accèdent chaque jour davantage, à petits pas, à la reconnaissance, aux contrats de recherche, aux récompenses, aux prix, à la science tout simplement. Mais le chemin est encore long, puisque en France, les femmes ne représentent qu'un tiers des chercheuses et des chercheurs, alors que pourtant la parité est atteinte dans les écoles doctorales, et que nous comptons plus de femmes hautement diplômées, plus de femmes que d'hommes hautement diplômées. Les chercheuses sont moins nombreuses à occuper des postes à haute responsabilité, produisent moins d'articles scientifiques, déposent moins de brevets. Au sein de la ville de Paris, nous menons une politique qui vise à combattre ces inégalités. La recherche n'est pas une compétence qui relève habituellement du champ d'une ville, enfin des compétences obligatoires d'une ville, mais nous avons fait ce choix politique d'accompagner la recherche et celles et ceux qui la font. Nous mettons en place des appels à projets pour financer des équipes de jeunes chercheurs. Nous accueillons chaque année une trentaine de doctorants en bourse CIFRE, je sais qu'une d'entre elles est là, au sein des directions de la ville. Nous remettons deux bourses de recherche en études de genre et nous mettons à disposition nos données, nos matériaux, nos connaissances aux étudiants, aux doctorants, aux chercheurs pour leurs travaux. Et surtout, nous nous nourrissons de cette recherche en l'ajoutant à la conception et à l'évaluation de nos politiques publiques. Par cette volonté de soutien à la recherche scientifique, nous avons surtout réfléchi à la manière de la rendre plus accessible, en assouplissant les démarches pour permettre de lutter contre la lourdeur administrative qui entrave si souvent le travail de recherche. Pour les chercheurs, mais surtout pour les chercheuses, qui, nous le savons toutes et toutes, souffrent de cette asymétrie de temps à leur disposition du fait des inégalités, de la mauvaise répartition des tâches domestiques, de l'éducation des enfants, toute la charge qui pèse davantage sur les épaules des femmes. En démocratisant davantage l'accès à la recherche, la ville de Paris souhaite ainsi donner leur chance à ces femmes qui osent la science. Une autre manière d'agir est de faire naître des vocations auprès des petites et des jeunes filles. C'est en s'imaginant physicienne, astronome, économiste dès le plus jeune âge que les jeunes filles, puis les femmes, pourront se sentir légitimes à prendre ces voies-là, à emprunter ces voies qui mènent à la recherche de pointe dans leur domaine. Et c'est en donnant à voir des modèles, ici, avec vous, chères intervenantes, dans la rue, sur les murs de la caserne Napoléon, avec vos portraits, mais aussi en lisant le nom des rues, des parcs, des places, de l'espace urbain qui nous entoure et qui revêt de plus en plus les noms de femmes et de femmes de science. Je ne l'ai pas mentionné, j'aurais dû le faire, ma collègue adjointe d'Anne Hidalgo, comme je le suis, Laurence Patrice, était présente lors de la déambulation et c'est elle qui a en charge la mémoire et qui mène un grand travail de féminisation des noms de rues, des noms de places et de reconnaissance des femmes dans l'espace public. Cette politique de valorisation des femmes dans l'espace public, menée par ma collègue Laurence Patrice, avec à cette même volonté, mettre en lumière les femmes, leurs réussites, leurs découvertes, leurs travaux, leurs combats. En tant que présidente de l'ESPCI Paris PSL, j'œuvre avec le directeur Vincent Croquette pour faire de l'école un lieu, je dirais, strictement dédié à l'apprentissage et à l'épanouissement de nos élèves ingénieurs. Un établissement où les inégalités entre les femmes et les hommes s'effacent, s'atténuent, c'est difficile à effacer, dénuées de toute violence sexiste et sexuelle, et où chacune et chacun peut accéder à ses ambitions. Teresa López-León, qui est là, je l'ai vue, ici présente, en sa qualité de chargée de mission égalité femmes-hommes, et Florence Benoît-Moreau, vice-présidente, ici présente également, vie étudiante et responsabilité sociale à l'université PSL, vous détailleront les actions menées par l'ESPCI en format table ronde. Cet événement vient également confirmer l'engagement de l'ESPCI pour la parité dans la science. En 2015 déjà, cette parité était assurée dans les effectifs de l'école, une grande réussite quand on sait que le taux de féminisation moyen dans les écoles d'ingénieurs stagne depuis 2013. La part des femmes n'y a toujours pas dépassé le tiers des étudiants.
C'est une très grande joie d'avoir aujourd'hui déambulé devant cette exposition et d'inaugurer cette table ronde, un événement qui prend à la fois part aux festivités des 140 ans de l'école, qui se dérouleront tout au long de cette année, et aussi à celle du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, dans le cadre de laquelle nous avons organisé le 6 mars dernier, avec ma collègue Hélène Bidard au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, une grande journée de conférences sur la place des femmes dans la recherche et sur les recherches sur les femmes. Une journée d'ailleurs à laquelle plusieurs d'entre vous ont participé. Je remercie le SPCI de mettre ainsi à l'honneur ces femmes, anciennes élèves ingénieurs de l'école, et qui peuvent se féliciter de la carrière scientifique qu'elles connaissent. Hélène Langevin-Joliot, qui est là, je vous ai vu, oui, au premier rang. Jacqueline Bloch, alors je ne vais pas vous chercher toutes, mais je sais que vous êtes là, plus ou moins. Il y a deux absentes seulement. Jacqueline Bloch, ici présente. Amael Landé-Israël, je crois qu'elle n'est pas là. Ride Karam. Agnès Plagneux-Bertrand. Valérie Végel. Pascaline Ayoun. Alice Chounier. Maïlis Gros, Gaëlle Bourou, Aya Anna et Isabelle Gouillon. 12 parcours différents, mais une même passion, une même ambition pour la science qui vous a mené à être reconnus pour vos travaux. 12 scientifiques qui montraient la richesse, la diversité et l'exigence des recherches menées par des femmes. Et je l'espère, 12 portraits qui pourront donner aux petites filles et aux jeunes filles et aux femmes qui les regarderont, les passantes ou les passants, qui donneront l'idée que les sciences sont aussi pour elles. Mais avant que d'autres vocations de la sorte se concrétisent, engageons-nous d'abord à les susciter pour toutes et toutes présentes et présents aujourd'hui un acte tout simple, celui de parler autour de vous de cette exposition Femmes de sciences, en espérant qu'elle puisse émerveiller les petites parisiennes et impressionner les petits parisiens. Je vous remercie, vous souhaite une très bonne table ronde. Merci. Je commence par ne pas résister à vous expliquer le petit gag qui m'est arrivé tout à l'heure en sortant mon discours de ma poche. Voilà, donc j'ai une copie. Et Céline en avait préparé une aussi, donc il n'y a pas de souci. C'est une démonstration, c'est... Ce qui est assez fort, c'est d'avoir fait le trou bien rond, juste au milieu. Oui. Voilà. Chère Marie-Christine, chères toutes, chers tous, chères femmes de science. Comme vous le savez, le SPCI a toujours eu à cœur la question des femmes dans son histoire. Marie Curie n'a pas fait ses études directement d'ingénieur à l'école. Par contre, elle a fait sa thèse, d'une part parce qu'elle ne pouvait pas faire ses études supérieures en Pologne, et aussi parce qu'elle pouvait la faire donc, au sein de l'école. C'était l'une des premières femmes qui a eu en France un doctorat et elle a en fait lancé, si vous voulez, cette culture féminine en France dans l'école d'ingénieurs que nous connaissons bien, évidemment. L'école s'est pleinement ouverte. En fait, au moment où elle a fait ça, il n'y avait pas de femmes qui pouvaient suivre les études d'ingénieur à l'école. Cette ouverture s'est faite en 1917 seulement, si on peut dire, mais quand même un peu plus tôt que dans d'autres écoles, si on compare. La figure de Marie Curie a joué un rôle important aussi tout le temps dans cette école, puisqu'elle a été extraordinairement engagée. Et je vous rappelle en 1914 son énorme engagement par rapport donc, à la santé, mais aussi engagée par rapport à la science. Ça a été une démonstration de science formidable. Et sa fille l'a suivie dans cette trajectoire en ayant à nouveau un second prix Nobel et en étant nommée en 1936 sous-secrétaire d'État à la recherche. Il n'était pas question d'avoir une ministre de la recherche à l'époque. Déjà, la femme n'avait pas le droit de vote. Donc, il faut bien se rappeler un petit peu le niveau. Et donc, on voit très bien, en fait, que toute l'école a été en présence de femmes qui étaient vraiment engagées à la fois pour la science et pour la société. Et sa petite fille est également présente aujourd'hui et présente dans cette salle. Donc, c'est Hélène Langevin-Joliot qui est de la promo 64 et que je salue au passage. La place des femmes dans la science a beaucoup évolué depuis Marie Curie, même si de nos jours encore, les inégalités concernant les filles et les femmes dans les sciences sont encore très pesantes. Je ne citerai que quelques exemples.
Vous le savez tous, on a à peu près, pas tout à fait, l'égalité quand on arrive en classe de terminale scientifique, et encore. Mais au fur et à mesure que les choses évoluent, on parle de fuite régulière, et à la fin, il y a de moins en moins de femmes au fur et à mesure qu'on monte dans la hiérarchie. Il y a tout un tas d'éléments qui expliquent peut-être ces fuites. C'est un ensemble de problèmes, mais c'est par contre très efficace. Donc à la fin, il y a malheureusement très peu de femmes qui sont à des niveaux élevés dans la recherche et aussi dans l'industrie. Le SPCI agit à son niveau avec l'université PSL et tous les établissements qui la composent. Nous multiplions les actions avec les moyens humains et financiers dont nous disposons sur le sujet de l'égalité. Cette exposition et cette table ronde en sont un bon exemple. Avec cette exposition, nous avons voulu mettre en lumière les femmes de science brillantes dont la carrière inspireront, je l'espère, les jeunes générations. Je sais que nous avons dans la salle de jeunes filles lycéennes mentorées par le programme Télémac, entre autres, dû à la bourse Judith et Maurice Botton, impulsée par Colette Lévinaire, qui s'y présente, que je salue, et Girls in Science de la Fondation L'Oréal. Je pense que ces initiatives sont très importantes parce que je pense que c'est vraiment très jeune qu'il faut donner ce goût et cette passion pour la science. C'est à elles aussi que nous adressons aujourd'hui. En lisant les portraits, on sent bien que ces femmes ont choisi leur voie avec passion et qu'elles ont tout fait pour s'accomplir en ce sens. Leurs carrières ne sont pas forcément linéaires, mais témoignent de la volonté de s'investir et d'apporter sa tâche à un domaine de la société. Je crois que c'est aussi grâce à la formation au SPCI qui donne cette capacité, cette envie d'apprendre toujours et encore, qui permet de travailler dans une très grande variété de domaines à partir du même socle initial, celui donné à l'école. Comme l'explique l'UNESCO, nous nous privons de presque la moitié du potentiel mondial en science, alors que la science n'a pas de genre. C'est justement ce que cette exposition nous invite à voir. La science a tout à gagner à être plus accessible aux femmes, car n'oublions jamais que la science se conjugue au féminin. Je tiens à remercier particulièrement le Fonds ESPCI, les ESPCI Alumni pour leur soutien, Céline Ramondou, notre DIRCOM, pour tout le travail absolument formidable de cet événement, et Audrey aussi. Et cet événement n'aurait pas pu avoir lieu s'ils n'avaient pas impulsé cette idée. Je tiens aussi à remercier la mairie, qui nous accueille aujourd'hui. Et merci à toutes les femmes de science. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Je vous laisse rejoindre vos places. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, il faut, je pense, un état des lieux. On parle d'égalité homme-femme depuis longtemps, depuis trop longtemps. Et en fait, on aimerait bien savoir où on en est aujourd'hui, quel est le constat et quel est le chemin qui nous reste à parcourir. Et donc, je vous invite à me rejoindre, Gaëlle Rondepierre, qui est donc ingénieure de recherche avancée chez L'Oréal, mais aussi très engagée chez l'association Femmes et Sciences. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je suis ravie de représenter l'association Femmes et Sciences ici ce soir pour ce très beau projet. Et également à titre personnel, parce que j'ai effectué ma thèse dans les laboratoires de l'ESPCI. Donc, c'est une école qui me tient aussi à cœur. Et donc, avec des membres de Femmes et Sciences, on a travaillé pour rassembler des chiffres. Après, on a fait un petit résumé. Je vous invite après à aller voir. C'est beaucoup de chiffres qui sont rassemblés par le ministère de l'Éducation supérieure, de la Recherche et de l'Innovation. Donc, vous pouvez trouver sur Internet. Et également, donc, des chiffres qui m'ont été également transmis par la Fondation L'Oréal, qui ne pouvait pas être là ce soir pour présenter, mais qui m'a aussi également transmis ces chiffres. Donc, je les remercie aussi pour cette transmission. Donc, pour commencer, un petit état des lieux. Donc, justement, on va commencer par une carte qui provient de la Fondation, qui est vraiment un état des lieux à l'échelle mondiale, donc en fait, du nombre de chercheurs qui sont des chercheuses à l'échelle du monde entier. Donc, ce qu'on voit, c'est que la moyenne au global, elle est de 33,3%. Donc, c'est vraiment un tiers des chercheurs qui sont en fait des chercheuses, donc ce qui est vraiment
pas assez. Et ce qu'on voit, c'est également que la situation, elle est très différente en fonction des pays, en fonction des continents. Donc, on va vraiment d'endroits où on a moins de 10% de chercheuses à des endroits où on a plus de 50%, donc où on passe vraiment la parité. Et ce qu'on voit, c'est que l'Union européenne n'est pas forcément l'endroit où on est sur des chiffres les plus avancés. Donc ensuite, justement, si on zoome un petit peu sur l'Europe, donc en filière universitaire, en moyenne, on a 40% des femmes, donc toutes disciplines confondues, on a 40% des chercheurs en filière universitaire qui sont des femmes. Et par contre, si on zoome, donc ici, voilà, je vous ai encadré vraiment la partie mathématiques, informatiques, physique et sciences de l'ingénieur, on voit qu'en fait, ce chiffre, il tombe à seulement 20%. Et alors, par contre, donc, après, pour les matières voilà, qui sont également représentées à l'ESPCI, comme par exemple la chimie et la biologie, on arrive sur des chiffres qui sont un peu plus représentés, où les femmes sont un peu plus représentées. Et ensuite, si on fait également donc, en Europe ce bilan pour les femmes en industrie également, donc en fait, en industrie, on a seulement 21% des chercheurs qui sont des chercheuses. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, en France, on est à peu près au niveau de l'Europe, donc autour de 21%. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'on a les chiffres de 2011 et de 2019. En fait, en Europe, entre 2011 et 2019, on a progressé d'un point. Donc, ce qui est pas énorme. Donc, et pourtant, donc, si on regarde également les chiffres, donc là, on va être sur des chiffres vraiment plus spécifiques à la France. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les femmes, elles réussissent mieux à l'école. Donc, quand on prend les statistiques voilà, du diplôme national du brevet et du baccalauréat, on a au global donc, plus de bachelières que de bacheliers. On a même, en fait, si on regarde donc, au sein de la population, on va avoir sur les femmes 31% qui vont avoir un diplôme de master ou plus, et sur les hommes, seulement 22%. Et par contre, si on regarde voilà, le taux d'emploi ensuite des diplômés de master, eh ben, on voit effectivement que les courbes, elles s'inversent. Et donc la question également M. Croquette a aussi posée, c'est pourquoi les femmes disparaissent. Et donc là, je vous propose donc, ce graphique que probablement beaucoup d'entre vous ont déjà vu, qui m'a également été partagé par la Fondation L'Oréal, où on voit effectivement cet effet un petit peu paire de ciseaux. Donc, on passe de à peu près un nombre égal d'étudiantes en licence et en master. Puis, on a une inversion de courbe qui commence un peu avant le doctorat. Et ensuite, on voit qu'on a un écroulement complet du nombre de femmes en sciences sur les postes à plus haut niveau. Et ensuite, donc, à la fin, on a au niveau des prix Nobel, où là, on est vraiment sur complètement une disparition des femmes. Donc là, ça va être une évolution pour une carrière universitaire, toutes disciplines confondues. Et donc, voilà, donc, si on se demande quelles pourraient être les raisons de cette disparition des femmes, donc tout au long de la carrière, on va avoir des stéréotypes de genre, des stéréotypes sociétaux qui vont empêcher les femmes de poursuivre leur carrière dans les sciences. Et ensuite, ce qui est notable aussi, c'est qu'à toutes les étapes du parcours, en fait, on va avoir différents obstacles qui vont être vraiment spécifiques à chaque étape. Donc là, si on se concentre, on va dire, sur vraiment l'orientation et justement le lycée, le collège, tout ça. Donc là, on a déjà en premier l'aspect abstrait des sciences qui ne parle pas forcément voilà, aux jeunes femmes. Et également toute une influence de l'environnement, donc de l'entourage, des professeurs également, enfin de gens qui pourraient éventuellement décourager les jeunes femmes. Et donc, notamment, là, récemment, justement, les associations s'inquiètent énormément de la dernière réforme des lycées, donc qui, a priori, va être un petit peu modifiée. Et donc là, je vous partage, donc, ce sont des chiffres qui ont été rassemblés par l'association Femmes et Mathématiques, et en fait, qui montrent donc, l'évolution du nombre de filles, donc, qui étaient d'abord en terminale S et maintenant en spécialité mathématiques. Et ce qu'on voit, c'est que voilà, juste avant la réforme, on était arrivé à peu près à 48% de jeunes filles en terminale S, donc on tendait vers la parité, et en fait avec l'apparition de la réforme, on est retombé à 40%, donc ce qui est en fait le niveau qui était atteint en 1994. Donc on a eu un recul de 25 ans sur le nombre de jeunes filles en terminale S. Donc, ensuite, si on regarde plus ensuite au niveau de la poursuite d'études, donc post-licence, master, doctorat, là, les facteurs qui peuvent être importants, ça va être le manque de connaissances des opportunités par la suite, donc justement de la diversité des métiers de sciences. Et ça va être également justement le manque de rôle modèle et le manque de mentors.
Et ça, justement, c'est un peu un cercle vicieux parce que comme on ne voit pas de femmes dans les métiers scientifiques, ça n'entraîne pas d'autres jeunes femmes à venir s'insérer dans ces métiers-là. Et donc là, donc, ce que je vous disais, voilà, ce graphique, c'est toutes disciplines confondues. En fait, si on se concentre vraiment sur les études supérieures dans les domaines scientifiques, en fait, on n'est pas du tout à la parité. Donc, pour ce qui est des licences, on va y être à peu près. Ensuite, quand on regarde DUT, BUT dans des matières scientifiques, on est autour de 20%. Master scientifique, donc pareil, au global, on est sur 43%. En fait, si on zoome sur des matières type physique, informatique, mathématiques, on est plus de l'ordre de 20%. Et ensuite, donc, on a les chiffres prépa et école d'ingénieur. Donc pareil, école d'ingénieur, je pense que vous aurez un bilan plus spécifique pour le SPCI qui atteint la parité. C'est aussi très variable en fonction des écoles. On a des écoles d'informatique qui vont être à 4 ou 5% et d'autres écoles voilà, de chimie qui elles, dépasseront la parité. Donc ça, voilà, ce qui se passe plutôt au niveau des études supérieures. Et ensuite, quand on entre vraiment dans les carrières de recherche, et en fait, vraiment, on va atteindre ce qu'on appelle le plafond de verre. Et là, ça va vraiment être des facteurs différents. Donc, ça va être des discriminations au niveau des perspectives d'évolution. Ça va être aussi des difficultés sur tout ce qui va être équilibre vie professionnelle, vie privée, et possiblement du sexisme et du harcèlement. Et donc là, notamment, la Fondation L'Oréal a sorti hier les résultats de son enquête qu'elle a menée avec l'Ipsos sur les violences sexistes et sexuelles au travail. Et donc, ce qui est ressorti de cette enquête, c'est que une femme sur deux qui travaille dans le domaine scientifique a reconnu avoir subi du harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Donc, c'est une enquête où vraiment ils ont révélé les résultats hier soir. Je vous encourage à aller la voir. Ils l'ont publiée sur leur site internet. Et voilà, et ces chiffres, ils sont vraiment inquiétants pour justement la place des femmes dans les carrières scientifiques. Et pareil, donc là, je vous partage donc. Un document donc, qui a été fait par l'association Femmes Ingénieurs, donc, qui est un super document d'ailleurs pour présenter la diversité des métiers des femmes ingénieures et donner un petit peu des statistiques donc, qui sont un traitement des données de l'enquête IUSF de 2021 et qui montre donc là on a l'évolution du salaire d'une femme ingénieure au cours de sa carrière, donc qui sont quand même voilà, de beaux salaires et qui évoluent aussi avec les responsabilités que peuvent prendre les femmes ingénieures. Et par contre, ce qu'elles écrivent aussi dans leur enquête, c'est que, les résultats de cette enquête, c'est que le salaire médian d'une femme ingénieure, il est inférieur de 18% à celui d'un homme qui est également ingénieur. Donc voilà, ce sont vraiment des choses donc, là, qui sont un exemple dans le métier d'ingénieur, mais qui se retrouvent également dans les milieux universitaires, etc. Et ensuite, donc, effectivement, quand on arrive vraiment à haut niveau, là, on est sur le manque de reconnaissance, sur l'invisibilisation du travail des femmes. Et avec les exemples qu'évoquait Madame Le Mardelet, voilà, des femmes qui se font voler leurs découvertes scientifiques, qui ne sont pas reconnues, etc. Et donc, effectivement, au niveau des prix Nobel, donc là, c'est un récapitulatif donc, des prix Nobel, donc physique, médecine et chimie depuis la création. Donc, on voit vraiment la disproportion du nombre d'hommes et de femmes. Et donc là, je vous ai mis le total aussi sur la droite. Donc avec quand même une accélération du nombre de prix Nobel qui ont été donnés à des femmes depuis le début des années 2000. Et également donc, les médailles Fields, qui sont l'équivalent des prix Nobel dans le domaine des mathématiques. Donc depuis leur création, on a eu 2 lauréates sur 60, dont une voilà, en 2022. Donc effectivement, voilà, en fait, on a vraiment à tous les niveaux de carrière, on va avoir en fait des obstacles qui vont empêcher les femmes de rayonner et de s'engager dans ces carrières. Et donc une fois qu'on a fait ce constat, on a justement de nombreuses associations, on en a évoqué plusieurs, qui jouent un rôle important pour faire rayonner les femmes scientifiques, pour attirer de nouvelles jeunes femmes. Donc ici, voilà, je vous en ai mis quelques-unes, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres que je ne connais pas. Et le but de vraiment toutes ces associations, c'est d'agir en fait à tous les niveaux du parcours. Et donc, moi, je prendrais les exemples justement de la Fondation L'Oréal et de Femmes et Sciences que je connais mieux. Donc, par exemple, voilà, la Fondation L'Oréal qui a son programme For Girls in Science qui vise vraiment à inspirer les jeunes femmes qui sont lycéennes et à les encourager dans la science. Ensuite, elles viennent récompenser des femmes scientifiques à l'issue des doctorats et des postdoctorats. Et elles agissent également vraiment à très haut niveau en récompensant donc, des femmes qui sont vraiment les meilleures dans leur domaine et en leur donnant beaucoup de visibilité, de reconnaissance. Et certes, beaucoup de ces femmes ont
eu par la suite des prix Nobel. Donc il y a vraiment des actions à tous les niveaux. Et Femmes et Sciences également donc, agit en faisant des interventions dans des lycées, mais va aussi promouvoir les femmes scientifiques qui sont déjà en poste. Et effectivement, je vous ai mis également donc, deux associations donc, qu'on a évoquées, donc, notamment l'Institut Télémac et Capital Phi. Moi, je suis moi-même mentor chez Capital Phi et j'ai eu l'occasion de l'être chez Télémac aussi. Donc, qui sont voilà, deux associations qui là, font du mentorat donc, de professionnels envers des lycéens et des lycéennes pour voilà, les encourager à poursuivre de belles carrières. Et donc, voilà, et donc je ferai quand même un petit focus voilà, sur les objectifs et les actions de Femmes et Sciences. Donc, c'est ce que je vous disais, en fait, c'est vraiment à tous les niveaux. Donc, ça va être encourager les jeunes et surtout les jeunes femmes à se diriger vers les métiers scientifiques, mais également promouvoir les femmes scientifiques qui sont également dans leur carrière et constituer aussi un réseau d'entraide ben, entre ces femmes scientifiques. Et donc, au niveau des actions, donc, voilà, on fait beaucoup d'interventions dans les collèges, lycées, etc. On fait du mentorat donc, auprès de doctorantes. On a également, donc, après, voilà, du travail et un colloque annuel sur des thèmes d'actualité. Donc, l'année dernière, c'était sur les femmes dans le numérique, qui est aussi une problématique importante. Et là, je vous ai mis aussi l'exemple en photo. Donc, c'est un petit peu dans la même idée, finalement, que l'exposition qui est présentée ici. Donc, il y a l'exposition La science taille XXL. On va avoir des femmes chercheuses scientifiques qui ont des beaux parcours et qui ont été photographiées voilà, dans des situations un petit peu insolites, mais en rapport avec leur métier et qui ont été exposées dans plusieurs villes de France. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis, si vous voulez nous rejoindre... Merci beaucoup. Je pense que Céline en aura besoin. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors évidemment, quand on voit ces chiffres, on ne peut pas rester de marbre et les écoles le savent et les écoles essayent de faire changer les choses. Et du coup, on va en parler. On va voir tout de suite quelles sont les actions qui peuvent être mises en place. Et donc, on va accueillir notre première table ronde. Alors, je vais inviter à me rejoindre sur scène donc Teresa Lopez-Léon, qui est chargée de mission égalité femmes-hommes ESPCI, mais aussi chargée de recherche au CNRS, au laboratoire Gulliver à l'ESPCI. Florence Benoît Moreau, vice-présidente vie étudiante et responsabilité sociale de PSL, et également enseignante chercheuse, maîtresse de conférence à Dauphine PSL. Jacques Le Winner, président du fonds ESPCI Paris, et Sylvain Gila, président de l'ESPCI Alumni. C'est la parité, absolument. Merci beaucoup à tous. Tu peux te mettre là, je vais... Voilà. Je vais vous poser une question unique, mais très simple. Quelles sont vos différentes actions? Parce que donc là, on a des représentants de différentes organisations. Quelles sont vos différentes actions pour justement traiter cette problématique de l'égalité homme-femme, que ce soit avant la scolarité, pendant la scolarité ou après? Je vous laisse. Je peux peut-être commencer pour vous parler un peu de la mission égalité à l'école. Et je voulais parler un peu de la genèse de cette mission-là, comment tout a commencé. En fait, c'est un moment, je pense, où l'école a décidé de mettre le sujet de l'égalité femmes-hommes, le placer comme un des axes majeurs de la stratégie, des plans stratégiques de l'école. Et en fait, c'était un moment où l'école était en train de réfléchir sur la place de l'ESPCI dans la société, cette société qui est en train d'échanger. Et en fait, c'est évident que nous, on n'est pas une île isolée au milieu d'une société qui est inégalitaire. Et donc, et c'est évident aussi qu'il fallait travailler le sujet de l'égalité femmes-hommes dans tous les aspects, dans les recrutements, dans l'intégration, l'évolution professionnelle de toute la communauté ESPCI. Et donc, c'est en 2019 que j'ai été nommée référente égalité. Et donc, c'est en ces moments qu'on a intégré des commissions qui existaient déjà
ou qui était en train de se créer, la commission égalité PSL, la CGE, Paritech, la CPED, c'est une conférence permanente des chargés des missions pour l'égalité. En fait, ça a été très, très utile, très riche, parce que ça permet d'un côté d'avoir une vision large de ce qu'on fait en France en ce qui concerne l'égalité femmes-hommes, mais aussi d'unir nos forces pour avancer de manière plus efficace et plus rapide. Et donc, Florence va vous parler tout à l'heure des actions qui ont été menées de manière mutualisée avec PSL. Donc, on a créé une cellule d'écoute éveillée pour les victimes des violences sexistes et sexuelles. Et il y a ces programmes, ces mentorats femmes et sciences qui est en train de se mettre en place. Donc, plein d'actions qui sont vraiment très, très intéressantes. Donc, ça a été fait un peu de manière mutualisée. Et au même temps, de manière un peu naturelle, il y a eu un groupe qui s'est créé à l'ESPCI, un groupe de travail interne. Et ça a été créé en 2020. Et on a commencé très petit, en fait, il y avait quelques personnes. Mais ça a suscité beaucoup d'enthousiasme. Et tout à coup, il y a eu plein d'étudiants qui ont voulu travailler pour cette mission égalité. Et maintenant, on a une vingtaine de personnes qui font partie de ces groupes égalité. Il y a des chercheurs, et bien évidemment, il y a la direction de la communication, les services juridiques, et plus récemment, il y a la DRH qui est rentrée dedans. Il y a aussi des gens du pôle stratégie de l'école. Donc vraiment, on sent qu'il y a un moteur là qui est en train de prendre force. Et donc ça nous a permis de structurer la mission en sous-groupe de travail et travailler en parallèle sur différents aspects de l'égalité. Et donc, je vais te donner des exemples, parce qu'on va avoir des exemples qui vont venir plus tard, mais quelques exemples. On a fait, par exemple, un état des lieux pour justement voir à quel niveau les égalités et inégalités étaient présentes à l'ESPCI, aussi nous aider à articuler un plan d'action autour de ça. On a mis en place des campagnes, des sensibilisations pour les étudiants, des campagnes qui ont lieu toutes les années, pour les sensibiliser, les former à la notion du consentement, aussi comment organiser des événements festifs de manière safe. Il y a eu aussi des initiatives étudiantes très belles, comme les projets PC Témoigne. Il y a des gens, des étudiants qui ont participé à ces projets qui sont là, je vois leur visage. C'est un projet vraiment très beau qui a permis les étudiants, pour vous expliquer un peu, c'est une inspiration des MeToo. Et l'idée, c'était permettre les étudiants, tout le monde, en fait, finalement, de libérer la parole et aussi sensibiliser. Ça a été un moyen de sensibilisation très forte sur les violences sexistes et sexuelles au sein de l'école. Puis on travaille aussi avec l'ARH pour justement mettre en place des protocoles qui nous permettent d'éliminer les biais de genre qu'on a quand on recrute, par exemple, ou de diminuer les pay gaps, les écarts salariels entre femmes et hommes qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est avec l'ARH. Et on est aussi très active en tout ce qui concerne sensibilisation du grand public. Donc on est, l'ESPC est un peu l'école des prix Nobel, quand même un rôle là. Et en particulier les femmes de l'ESPCI, les chercheuses, les ingénieurs, on sait qu'on joue un rôle clé dans l'image que la société s'est fait de la science. Et c'est très important qu'on soit conscient de ça. Et la direction de la communication fait un travail formidable. Un exemple, c'est l'expo d'aujourd'hui. Et c'est une exposition qui mettra en valeur des portraits des femmes de l'ESPCI et qui montre à tous, aux garçons, aux filles, aux femmes, aux hommes, à tout le monde, que les mots femmes et sciences, c'est pas des mots dissonants. Et donc, je pense que c'est très important de ces rencontres, qu'effectivement, on est en train de faire des choses, mais malgré les forces, la volonté de faire changer les choses, il y a un long chemin à parcourir. Ça, c'est clair. On l'a vu tout à l'heure avec toutes ces données-là. Il faut vraiment continuer à travailler sur ça, mettre des moyens pour faire finalement notre société qui devient plus égalitaire, plus juste. Donc, je pense qu'on est sur les bons chemins, mais il ne faut pas s'arrêter, il faut au contraire mettre plus et plus d'énergie. Voilà, donc.
Je passe la parole merci. À l'heure. Voilà. J'enchaîne directement sur tes propos parce qu'effectivement, on travaille finalement beaucoup ensemble. Donc, moi, je travaille à l'échelle de l'université PSL, dont le SPCI est un des établissements composantes, hein, 9 établissements composantes en tout, et dont voilà, le SPCI est membre. Et on a monté à partir de la rentrée 2021 une cellule d'écoute et de veille justement contre les violences sexistes et sexuelles à l'échelle mutualisée. Et avec vraiment cette pertinence, je pense, de le faire à l'échelle mutualisée, parce que finalement, on a différentes référentes égalité femmes-hommes dans les établissements, mais la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont chercheurs, chercheuses, c'est beaucoup de femmes, hein, donc des chercheuses, qui ne consacrent qu'une partie de leur temps, en fait, relativement limitée, parce qu'il ne faut pas que ce soit au détriment de la recherche, sinon, à nouveau, on n'aura pas de prix Nobel femmes. L'idée de le faire à l'échelle mutualisée, c'est vraiment de se sentir aussi plus forte, et puis accessoirement aussi, ce sont des sujets où finalement, aujourd'hui, la veille juridique est importante. Derrière, il y a un certain nombre de lois, mais il y a aussi la mise en place de dispositifs, de commissions disciplinaires, etc., qui demandent d'être de plus en plus professionnels. Ce n'est pas juste de grands discours. Il faut pouvoir appliquer, écouter ses paroles, la parole et le faire de manière très professionnelle. Donc vraiment, je pense que c'est très pertinent. Et il y a eu aussi une vraie richesse de cette diversité de nos établissements composantes, parce qu'évidemment, il y a différentes écoles scientifiques, mais on a aussi évidemment les sciences au sens sciences humaines, enfin, on a différentes disciplines. Et on voit que les cultures, et même les cultures d'établissement, hein, entre nos 3 écoles d'ingénieurs, mais l'ENS, Dauphine, etc., sont différentes, et il y a une vraie richesse à partager cela. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail de la cellule d'écoute, mais voilà, je pense qu'on avance. On a l'an dernier mené une grande enquête, en fait, une enquête diagnostique qui a permis de donner aussi, justement, de faire un état des lieux, de mesurer les phénomènes, et derrière, évidemment, de mettre en place des actions. Notamment, on a un plan de formation commun, en fait, et là aussi, la formation, c'est quelque chose qui est quand même relativement parfois long à mettre en œuvre. Il faut des expertises assez fortes. On dispose pour cela à l'échelle de PSL d'une école interne qui réunit en fait les budgets formation, une partie des budgets formation de nos établissements composantes, qui permet d'être plus fort et d'avoir un vrai panel de formation à proposer. Et donc voilà, là ça monte en puissance. Les étudiants cette année, sur cette rentrée, dans tous les établissements, ont eu une formation à minima, 1h30 ou 2h, au moins un minimum de petits programmes sur les violences sexistes et sexuelles. Mais tout le monde, voilà, il y a droit. Et parallèlement, en fait, on a monté depuis l'an dernier le mentorat femmes et sciences. Hein, donc là, ça fait vraiment complètement écho à la précédente présentation, qui est donc un mentorat qui est proposé, dont le programme a été conçu et de manière vraiment extrêmement pertinente, en fait, hein, à l'échelle nationale. Et ensuite, il s'agit de le décliner chacun dans ses établissements. Et donc là aussi, assez pertinent de le faire. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais grosso modo, il y a un mentor et une doctorante qui est en deuxième année de sa thèse. L'idée, c'est vraiment de travailler, alors non pas du tout, on n'est pas du tout sur de la méthodo, on n'est pas du tout sur le travail de thèse, on est vraiment sur le travail de lutter contre les stéréotypes ou tous ces biais d'ailleurs qu'on a assimilés. On disait tout à l'heure, quand on manque de rôle modèle, etc., même si finalement on a un très bon niveau scientifique en tant que femme, on va peut-être pas forcément faire les bons choix dès le début. Peut-être moins accepter d'aller à l'international. On peut avoir aussi un certain nombre de contraintes des âges où on va devenir peut-être maman, etc. Et on ne va pas forcément accepter les postdoctorales à l'international ou d'aller à des conférences ou de partir 3-4 semaines à l'international. Et tous ces biais qui, finalement, vont conditionner à la fin le fait, finalement, d'avoir une très belle carrière, en fait. Parce que c'est un peu incrémental. Là, on se refait... Voilà, son CV, il est vraiment incrémental. Et donc, on travaille sur ces biais au travers du mentorat. Et là aussi, pertinence de le faire quand même à l'échelle mutualisée. Alors pour l'instant, le SPCI, l'an dernier c'était pilote, là le SPCI rejoindra sans doute l'an prochain. Cette année, on a déjà 44 diades de mentors et de mentorées. Et avec cette possibilité, justement, de souvent dans la recherche, dans des laboratoires, on est dans des petits univers. Donc, c'est difficile. On ne peut pas exprimer des choses qui sont de l'ordre du coaching, où on peut avoir à dire des peurs, des freins, des envies de fonder une famille, etc. On ne peut pas le dire à quelqu'un qui potentiellement sera dans un comité de sélection plus tard dans votre... vous n'avez pas envie d'afficher cette facette-là. Et donc là, on arrive à pouvoir mutualiser, en fait, en ayant des astrophysiciennes qui mentorent des physiciennes. Elles ne sont pas tout à fait dans la même communauté scientifique en termes ensuite de peer review ou en termes de comité de sélection. Donc là aussi, il y a une vraie liberté de parole qui peut être créée. On est vraiment obligé de penser à cela à une échelle un peu plus large parfois que les établissements pour justement penser cette liberté de parole, en fait. Voilà, je n'irai pas plus loin. Super, merci. D'abord, un grand merci à la ville de Paris de nous accueillir dans notre maison mère, si je peux dire.
un très grand plaisir pour moi aussi de revoir beaucoup de têtes connues, d'anciens élèves, récents ou un peu moins récents. Mais rassurez-vous, il n'y aura pas d'interrogation à la fin. Alors, le fonds SPCI a été créé à l'initiative de la ville de Paris, les alumni et l'école. Pourquoi ? Parce que, à l'échelle de ce qui se fait dans beaucoup de pays, aux États-Unis en particulier, le mécénat n'était pas du tout développé en France. C'était quelque chose qui débutait. Et donc, ces trois fondateurs ont décidé de créer le fonds pour recueillir des fonds pour aider l'école, les élèves, la communication et permettre... Quel est l'intérêt d'un fonds alors que l'école a un budget? C'est qu'il est souple, il est réactif, il peut être rapide et il peut avoir des actions ciblées. Et effectivement, grâce à l'aide de nos mécènes, on peut soutenir ponctuellement des actions dans tel ou tel domaine. Alors, j'étais particulièrement sensible en écoutant Teresa et Florence. Pourquoi ? Parce que je me suis rappelé une époque où peut-être certains d'entre vous l'ont connu, où lorsque j'étais à la direction de l'école avec Pierre-Gilles De Gennes, on a eu une affaire très compliquée de sexisme et même de sexisme violent dans laquelle on était désemparés. Et on a été devant les tribunaux, et devant les tribunaux, on a perdu. Dans une affaire qui pourtant semblait d'une clarté totale. Donc le travail que vous faites est un travail, je crois, très utile, parce qu'il va permettre d'abord à la victime, en l'occurrence, de s'exprimer avant d'arriver à une situation où elle était piégée. Et donc, j'étais très sensible à votre discours sur cette écoute, sur cette facilité que vous allez donner à des femmes d'avoir des interlocuteurs ou des interlocutrices qui les accueillent favorablement, qui ne sont pas d'entrée de jeu dans une attitude de doute, de mise en cause. Et dans l'affaire en question à laquelle je faisais allusion, ça a été une affaire qui pourrait faire l'objet d'un film parce que on a pris des mesures de rétorsion contre l'homme qui était responsable de ça. Il nous a attaqués en justice et il a attaqué l'université Pierre et Marie Curie parce qu'on était co-responsable de cet étudiant. Eh bien, on a perdu. Et nous, et l'université, et il a touché une indemnité, à l'époque c'était encore en francs, qui se comptait en millions. C'est pour vous dire à quel point le travail que vous faites est un travail fondamental. On était complètement effarés. Et quand Pierre-Gilles De Gennes est décédé, l'homme en question... Sur un tweet, il a dit « Enfin, il est disparu !» Pour vous donner une idée de la qualité de l'individu. Donc voilà, le fonds contribue à sa manière à aider l'école, ses élèves, ses actions. N'hésitez pas à être de généreux mécènes. Vous contribuerez ainsi à ces actions qu'on mène qui sont toutes en faveur du progrès au sens large. Merci. Merci d'avance. Merci Jacques. Donc ESPCI Alumni, l'association des anciens élèves de l'ESPCI, quelles actions on a après le diplôme? Et la première action, c'est de mettre
les femmes diplômées en réseau. On a changé de plateforme spécie.org il y a 3 ans. Et sur notre plateforme, aujourd'hui, nos membres peuvent poster une publication et faire la publicité, la promotion justement de leurs camarades et de leur réseau. Et en fait, Reed, tout récemment, à Reed Karam, 133e, l'une des 12 femmes de ce soir, a posté une publication nous faisant part justement du prix qu'a reçu Lélia Bouraoui, 138e. Et voilà, c'est ce moyen de donner, d'abord donner les outils pour que cette promotion puisse se faire au sein de notre réseau. Et ensuite, mettre en réseau, c'est aussi avec des réseaux qui sont plus grands. Julia Alberca, 134e, publie beaucoup les événements de Sciences Paris Tech au féminin sur notre site. Mais aussi, Pascaline publie sur les événements de femmes ingénieurs. Grâce à Pascaline, on a adhéré à Femmes ingénieurs, Pascaline Ayoun, 128e vice-présidente de l'association. On a adhéré l'année dernière à Femmes ingénieurs. Et l'année dernière, on a aussi adhéré à la charte mixité de grandes écoles au féminin. Qui est une charte dans laquelle on s'engage à trois choses. La première, c'est de ne pas participer à un événement où il n'y a pas de femmes sur un panel. Donc, bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça nous est parfois arrivé d'être confronté à ça. Donc, ça, c'est le premier engagement. Le deuxième engagement, c'est la parité, la mixité au sein de nos instances de gouvernance et d'une manière générale dans les actions que l'on fait. Et aujourd'hui, spécial EMI, le conseil d'administration, on a 42% de femmes, donc deux fois plus que la proportion de femmes dans notre réseau, 10 femmes sur 24. Le bureau, suivant les années, est à parité. On est 8, hein, donc c'est 4 sur 8 ou 3 sur 8 ou 5 sur 8, ça dépend des années. On fait très attention et je voudrais saluer Vincent Marais, qui est le président de notre prix du stage industriel, que le jury du prix du stage industriel est à parité. Je sais que c'est très, très important pour toi, Vincent. On fait donc ça, attention à toute cette mixité, cette parité, aussi dans notre conférencier à l'Assemblée générale, etc. Et je reviendrai sur ce point-là après. Donc ça, c'est le premier point, c'est mettre en réseau et donner cette possibilité pour les femmes et les diplômées de communiquer entre elles. Ensuite, on a les actions véritablement qu'on fait, et je voulais remercier Céline Ramondou et son équipe, Audrey Le Dantec et Kevin Lamotte, de nous avoir associés très très tôt avec Pascaline à cet événement. Merci beaucoup, qui est extraordinaire. Et c'est ce genre d'action, effectivement, qu'on essaye de promouvoir. Et on a aussi nous-mêmes une réflexion sur, par exemple, les prix du stage industriel que l'on attribue, aussi les bourses que l'on attribue aux élèves. On a une analyse après, à chaque année, avec Sophie Norvez, 102e, qui est notre responsable en trade de solidarité, de savoir est-ce qu'on n'a pas plus donné de bourses à des hommes plutôt qu'à des femmes, et de voir un petit peu le bilan de tout ça. Aussi, est-ce que les jeunes femmes demandent moins de bourses ou à des montants moins élevés, c'est quelque chose qu'on a pu constater et qu'on essaie de corriger aussi. Et en fait, ça m'amène aussi au point qui me paraît aussi important, c'est qu'on est aussi en lien avec les élèves sur ces questions de mixité, de parité. Et je voudrais vraiment, vraiment les remercier parce qu'ils nous boostent, voilà, ils nous aident. Et je voudrais saluer une initiative que je trouve absolument extraordinaire de la part de la Junior Entreprise. Alors, Florentin Picton, le président de la Junior Entreprise, est là ce soir, qui nous a approchés en nous disant on a constaté que la proportion de jeunes filles qui faisaient des études de la Junior Entreprise était plus faible que la proportion de jeunes filles dans la promotion. Et première question, pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, et je trouve ça absolument extraordinaire. Et on a communiqué et l'action qu'on a faite et qu'on essaye de faire, c'est d'identifier, pour mieux les connaître, les diplômés EES de l'ESPCI, pour mieux les faire connaître aussi. Et donc, on a pu donner à l'équipe de Florentin, et on va travailler avec Simon Pellissier et Léopoldine Kenson cette année encore, une liste de diplômés ES qui ont été leaders, qui sont leaders. Les anciennes présidentes du BDE, par exemple, les lauréates des bourses L'Oréal UNESCO, comme Pascaline, comme Judith Pinault, 132e, qui est là aussi, ou Gaëlle, bien sûr, etc. Donc, c'est vraiment d'essayer pour nous de mieux connaître, voilà. Et cette opération de recherche dans notre réseau,
nous a donné aussi l'opportunité d'exhumer véritablement des histoires extraordinaires. Et je voudrais mentionner ici Simone Sehaille, qui est de la 56e promotion, résistante pendant la guerre, qui est malheureusement décédée dans les camps, mais qui a eu un rôle de leadership dans les camps de concentration extraordinaire, avec des paroles extrêmement fortes. Et en fait, Simone Sehaille, c'était juste un nom sur la plaque des morts pour la France à l'ESPCI, et on a vraiment recherché quelle était son histoire. Il y a une page Wikipédia qu'on a enrichi, et voilà. Donc ça, c'est cette recherche. D'ailleurs, en parlant de page Wikipédia, en 2017, on a fait un Wikipédiathon dont l'objectif était en particulier aussi de faire plus de pages Wikipédia de femmes. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un très grand déficit de pages Wikipédia de femmes par rapport aux hommes. Et on a, c'est l'Or de l'âge, 133e, a créé la page Wikipédia d'Amel Landais, qui est l'une des 12 femmes célébrées ce soir. Donc voilà le type d'action que l'on fait. On fait bien évidemment aussi un soutien aux élèves dans leurs actions de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. On a financé la formation de plusieurs élèves en 2021. Et cette année, on a soutenu, et je voudrais les saluer, l'équipe de théâtre qui a joué une pièce de théâtre qui s'appelle Anna sur les violences sexuelles et sexistes et sur le viol il y a 15 jours à l'école. Et il y avait des frais d'auteur, de droits d'auteur. Voilà, on a pris ça en charge. On est là aussi pour soutenir la communauté dans ses actions de promotion et aussi de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Merci beaucoup. J'espère que toutes les femmes de science auront donc bientôt une page Wikipédia, si ce n'est pas déjà le cas. On va s'occuper de la tienne, Mélanie. Ah oui. D'ailleurs, j'ai une petite annonce à faire, c'est que nous souhaiterions t'inviter à être notre conférencière pour notre Assemblée générale le 9 mai. Très bien, merci beaucoup. J'accepte cette invitation. Merci pour toutes vos actions et pour les avoir présentées. Je vous invite effectivement à rejoindre la salle. Et puis, on va passer à notre deuxième table ronde. Alors, vous pouvez tout de suite venir sur scène. Donc, j'appelle Pascaline Ayoun, directrice de la stratégie monde au sein de Saint-Gobain. Jacqueline Bloch, directrice de recherche CNRS au Centre de nanosciences et de nanotechnologie, également membre de l'Académie des sciences et professeur à Polytechnique et à l'Université Paris-Saclay. Alice Chounier, voilà, cofondatrice et dirigeante de Géosophie, une start-up spécialisée dans la géoénergie. Et Gaëlle Bourou, ingénieure brevet et avocate en droit de la propriété intellectuelle au sein du cabinet Linklaters. Alors, merci à toutes. Bravo pour vos parcours qui sont impressionnants. Et vraiment, quand j'ai vu la diversité en fait de ce que vous faites, je me suis dit que peut-être en première question, plutôt que de vous demander de présenter vos parcours de façon très classique, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que vous faites, soit dans votre quotidien ou enfin voilà, vraiment dans votre carrière, qui est peut-être inattendu, parce que les jeunes filles, et même d'ailleurs les jeunes garçons qui pensent aux sciences, ont peut-être une image très figée de ce que c'est que de faire une école d'ingénieur, puis ensuite d'aller être chercheur dans un laboratoire. Et on a là des parcours et des quotidiens extrêmement différents. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire auquel on ne pourrait pas s'attendre ? Bah, je peux commencer. Donc, moi, je viens du monde des sciences initialement, mais j'en suis sortie. Donc, maintenant, aujourd'hui, je fais de la stratégie. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la stratégie. Mais c'est globalement d'aider une entreprise à se dire bah, où est-ce que je vais dans le long terme pour survivre, pour rester innovant, pour rester dans le jeu, pour se différencier de ce que fait la compétition et puis pour apporter des solutions aux êtres humains ou à la planète en fonction des activités d'un grand groupe. Donc je travaille pour Saint-Gobain. Donc chez Saint-Gobain, en tout cas dans l'entité dans laquelle je travaille, je vais aller aider mon business à se dire on aimerait aller dans des géographies pour lesquelles on n'a pas d'activité aujourd'hui. Donc je vais aller, il y a 2 semaines, j'étais au Vietnam, je vais aller visiter des entreprises que l'on souhaite racheter.
Donc ça peut être des grands groupes, des moyennes entreprises ou même des start-up pour essayer de sentir qu'est-ce qui est unique dans cette entreprise, pourquoi elle est différenciée, est-ce que ça vaut le coup de se lancer, est-ce qu'on va l'étouffer avec un grand groupe comme Saint-Gobain ou est-ce qu'on va finalement lui donner quelque chose en plus qui va lui permettre d'aller plus loin ensemble. Dans les start-up, souvent on regarde est-ce qu'on va pouvoir les aider à se développer. Donc en fait, en tant qu'acteur et avec un capital relativement stable, on peut faire du venturing et donc investir dans des entreprises ou des technos qui peuvent nous intéresser. Donc voilà un exemple de choses que je fais aujourd'hui, qui est un petit peu plus loin sur le papier de la formation de l'USPCI, mais pour lesquelles les sciences sont essentielles. Et pour laquelle, du coup, je pense que je suis plus complète pour pouvoir adresser ce genre de sujet avec un parcours scientifique. Bien, donc moi, je suis directrice de recherche au CNRS. Moi, j'ai fait vraiment un parcours scientifique. J'ai fait le SPCI, puis ensuite une thèse, puis ensuite je suis rentrée au CNRS, et puis je suis toujours au CNRS. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'on s'imagine souvent que le métier de la recherche, c'est vraiment de s'enfermer dans son laboratoire, d'écrire des équations, d'analyser des données, d'être un petit peu enfermé dans un monde abstrait avec des idées très, très concrètes. Et en fait, je travaille dans un domaine où finalement, donc, ce que je fais, c'est que je fais des expériences. Enfin, je fais faire maintenant des expériences à mon équipe, où on travaille donc avec de la lumière qu'on vient piéger dans des matériaux semi-conducteurs et auxquels on donne des propriétés complètement extraordinaires. La lumière, elle peut devenir super fluide comme un supraconducteur. Elle peut avoir les mêmes propriétés que des électrons qui se déplacent dans un cristal. Elle peut même nous servir à imiter des trous noirs en cosmologie. Donc c'est vraiment un domaine très, très ouvert. Et finalement, il y a une grande qualité qui va jouer pour être un bon scientifique dans ce domaine-là. C'est finalement d'avoir des qualités un petit peu d'écriture. Et du coup, en fait, je pense que beaucoup de femmes ne vont pas vers des métiers de sciences, pas parce qu'elles ne sont pas bonnes en sciences, mais parce qu'elles sont meilleures en français. Et ça, c'est vrai. En fait, il y a des corrélations complètes. Et en fait, si les garçons vont plus en maths, vous pouvez en déduire, et c'est vrai aussi, qu'ils sont en fait moins bons en français. Et comme en France, on nous dit toujours d'aller dans les domaines où on est les meilleurs, et ben, les filles vont en lettres. Et ce que je voudrais dire, c'est que finalement, dans un domaine comme le nôtre, et ben, une fois qu'on a des résultats expérimentaux, pour les publier, pour aller les raconter, pour que la science ait un impact, il faut raconter une histoire. Il faut savoir insérer ces recherches dans une plus grande histoire, voire faire des liens. Et donc finalement, les qualités d'écriture, d'être capable de bien raconter une histoire et de s'adresser à son auditoire, eh ben, ça joue un rôle énorme. Et donc c'est ça que je voudrais dire, c'est que les filles sont bonnes en français, c'est bien, mais ça sert aussi et donc il n'y a pas besoin d'avoir peur. Et c'est des qualités qui sont aussi très utiles en sciences. Oula, j'ai la pression. Alors moi, je fais aussi des choses, je ne sais pas si elles sont vraiment surprenantes, mais j'aime bien les défis. On va plutôt dire ça comme ça. Et dans ma carrière, je les ai toujours un petit peu cherchées. J'ai cherché la difficulté au démarrage, après ma thèse, en partant dans les opérations pétrolières, souvent un peu seule femme pour le coup quand même. Et j'ai continué à la chercher en me donnant toujours de nouveaux défis, que ce soit en R&D, à changer de thème très souvent, et maintenant en tant qu'entrepreneuse. Puisqu'effectivement, c'est un grand saut. Et alors, je rejoins la notion d'histoire. Je pense que raconter des histoires, c'est une grosse partie de mon métier. Enfin, voilà, vous le savez, les startups, c'est avant tout une histoire de rêve. Et donc, de pouvoir se projeter, de pouvoir être visionnaire finalement comme en stratégie, c'est une façon de faire de la stratégie sur qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait rendre le monde meilleur et comment on peut y apporter une solution avec peu de moyens de façon très ponctuelle. Vous avez plusieurs micros. Bonsoir Gaëlle. Bien, moi j'étais partie pour être à la paillasse avec une blouse blanche et aujourd'hui je suis à la barre avec une robe noire. Et en fait, je rejoins vraiment ce que dit Jacqueline.
mon travail, c'est un travail de communication. C'est-à-dire que je plaide un dossier, il faut expliquer à une magistrate, parce que souvent c'est des magistrates, pourquoi on a raison. Et la magistrate, elle n'a pas fait ses études APC. Donc concrètement, il y a un travail un petit peu de vulgarisation et de combiner des arguments qui sont purement techniques au départ pour arriver à un résultat juridique qui est dans l'intérêt du client. Donc raconter une histoire quand on plaide, c'est déterminant. Et les qualités de présentation, de communication sont cruciales. Et c'est vrai que ce n'était pas forcément là qu'on voulait aller au départ, mais c'est ça qui peut, au final, faire la différence. Super, merci. Alors, quand j'ai préparé cette table ronde avec vous, il y a quelque chose qui m'a fait très plaisir, puisque ce n'est pas une question que je vous ai posée, mais vous m'avez toutes quand même répondu sur cette question-là, et qui est en fait, pourquoi est-ce que l'ESPCI et la formation de l'ESPCI vous a permis de faire ce que vous faites aujourd'hui. Et donc, moi, en tant qu'ancienne PC, ça m'a fait très plaisir d'entendre tous ces compliments sur PC. Mais du coup, je veux bien que vous expliquiez à notre auditoire, voilà, qu'est-ce que PC a de spécial qui fait que aujourd'hui, vous êtes là où vous en êtes. On va partir dans l'autre sens. Donc, je dirais, en premier lieu, c'est une école de rigueur, de raisonnement. Et ça, c'est très important. En tout cas, c'est une qualité commune avec ce qu'on demande des juristes. Et ce qui m'est extrêmement utile aujourd'hui, c'est d'avoir eu une formation extrêmement solide, mais vraiment très large. Donc, je crois que c'est une des caractéristiques importantes des études à l'ESPCI, c'est la pluridisciplinarité. Et aujourd'hui, en fait, je travaille pour des clients qui sont des sociétés dans différents secteurs. Donc en ce moment, j'ai un dossier qui est autour d'inventions dans le domaine de la mécanique. J'ai aussi un dossier sur des lampes LED et un dossier de médicaments biologiques. Et le fait d'avoir fait PC, ça me permet d'appréhender sans aucune inquiétude toutes ces matières, parce que même si je ne me souviens plus trop comment fonctionne le semi-conducteur, je vais y arriver. Dans les faits, ça date un petit peu quand même. Hein. Mais ça revient vite. Donc voilà, ça c'est une grande richesse et alors je ne sais pas si c'est la même réponse qui va être apportée par mes camarades. Oui. Là ça va être dur de se renouveler. Bon, et j'espère qu'il n'y aura pas d'interro quand même Jacques sur les semi-conducteurs, parce que moi aussi j'ai un peu oublié. Donc, mais sinon, alors plus sérieusement, effectivement, ce caractère pluridisciplinaire, je pense que c'est notre force. Je l'ai vu chez Schlumberger, enfin dans mon ancienne vie chez Schlumberger. Changer de domaine, c'est ça qui m'amusait. Moi, j'ai changé à peu près tous les 3 ans. À chaque fois, je repartais de zéro. Et j'allais chercher mon cours de PC. Mes parents, d'ailleurs, se souviennent bien de ça, puisqu'ils ont encore la totalité des cours. Je leur ai dit surtout de ne pas les jeter, parce que je les ai réutilisés. Et donc, c'est ça que j'aime bien, c'est repartir des bases, en fait, repartir de ce qu'on a appris. Et l'autre chose qui m'a aussi été très utile, c'est notre capacité à pouvoir aller lire des articles de recherche dans tous les domaines, enfin dans beaucoup de domaines. Et de ce côté touche à tout, c'est quelque chose qui me correspondait très bien. Alors, je ne suis pas devenue experte en optique, enfin voilà, mais j'ai beaucoup appris de cette capacité, y compris en sciences humaines d'ailleurs, plus récemment, où quand je me suis lancée au sein de Géosophie, on a fait plusieurs partenariats académiques, ça c'était mon passé qui s'exprimait, et j'en ai fait un avec l'Université Dauphine, parce qu'une de mes visions de départ, c'était vraiment. On parlera peut-être de la transition écologique, mais c'est pas juste un problème de physique, c'est aussi un problème plus globalement de société. Les sciences humaines peuvent amener beaucoup. Alors moi, ce que j'ai vraiment aimé à l'ESPCI, c'est le fait que l'école était, que les étudiants étaient si proches des laboratoires de recherche. Je pense que c'est vraiment une spécificité de l'école.
avec en particulier ces travaux pratiques très longs, qui duraient 15 heures. Et donc, on passait vraiment une semaine dans un laboratoire à travailler sur un sujet, et la manip n'était pas montée, et il fallait découvrir soi-même. Et donc, on faisait ça en binôme, et moi, je me rappelle encore très, très bien de certains TP qui m'ont complètement... Enfin, voilà, on apprenait vraiment, on découvrait soi-même, on n'oublie jamais ces moments-là. Et du coup, voilà, je pense que c'était vraiment une école qui préparait particulièrement bien à la recherche expérimentale. Ensuite, on a eu des cours extraordinaires. Et donc, moi, j'ai eu des cours qui ont marqué complètement ma vie et qui font que j'ai choisi de travailler dans certains domaines. Et voilà. Et Jacques Levinaire, évidemment, je le cite à chaque fois parce que vraiment, les cours de Jacques Levinaire nous ont absolument enthousiasmés. Donc, on était quatre. On était très complexés parce qu'on avait l'impression qu'on était moins forts que les normaliens et les polytechniciens. Du coup, on avait peur d'aller au DEA de physique des solides. On était tous allés demander est-ce qu'on peut, est-ce qu'on y arrivera. Et on y est tous allés, et voilà. Et ça, ça a beaucoup joué pour nous tous dans ce cours-là. Donc, je tiens vraiment à vous remercier. Et voilà. Et juste une toute petite anecdote. Donc après, j'ai été dans des laboratoires où il y avait beaucoup de normaliens et de polytechniciens. Et les normaliens se moquaient de moi parce qu'ils disaient qu'en fait, pour eux, le SPCI, c'était l'école d'en face. Et ben, moi, je disais, ben oui, mais pour nous, c'est l'école d'en face aussi, en fait, l'école normale. Voilà. Ouais, ben, pour compléter ce qui a déjà été dit, parce que je suis complètement en ligne avec tout ce qui a été dit, je soulignerai le côté rayonnement international de l'école. Le SPCI est très reconnu international et nous ouvre des portes dès notre formation d'ingénieur. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire des stages à la fois dans l'académique et dans les laboratoires de renom aux États-Unis, donc à Harvard et à l'université de Amherst. Et par la suite aussi des stages plus industriels à l'étranger également, donc aux États-Unis avec Saint-Gobain et en Suisse avec Nestlé. Et ça, c'était grâce à la notoriété de l'école qui a ouvert ses portes et qui nous, pour lesquelles en fait, les étudiants sont complètement en ligne avec les thématiques de recherche de ces différents laboratoires et industries. Et puis la deuxième chose, peut-être, c'est le côté vraiment pratique, en fait. Les travaux pratiques, qui sont à peu près 50% de notre formation, nous aident à avoir quelque chose de concret, et on n'apprend pas que des sciences théoriques, on apprend des sciences qu'on peut utiliser dans notre quotidien. Et moi, c'était quelque chose qui m'importait de pouvoir appliquer ce que j'apprenais dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis dirigée après dans l'industrie. La science est finalement une langue universelle. Et de par mes expériences à l'étranger, parce que j'ai vécu 4 ans aux États-Unis, j'ai trouvé que, à l'époque, je ne parlais pas très bien anglais. La science nous réunissait. On arrivait quand même à collaborer, travailler ensemble et avoir un impact sur des sujets de recherche scientifique collaborativement parlant, que l'on parle ou pas ces autres langues. La science était vraiment au cœur de notre passion et de ce qu'on aimait faire. Super. Alors, moi, quand j'ai vu le panel que j'allais avoir aujourd'hui, et je me suis dit, je n'ai pas envie de faire une table ronde avec des femmes de science sous prétexte qu'elles sont des femmes, parce qu'en fait, vous êtes exceptionnelles. donc, vous avez énormément de choses à dire en dehors de cette problématique, évidemment. Et je me suis dit, et on va faire un petit travail d'imagination collective, quelle serait la table ronde que j'animerais avec vous quatre, pour laquelle je vous aurais invité. Et en fait, en réfléchissant un peu, je me suis rendu compte qu'on avait l'ensemble de la chaîne de recherche et d'innovation avec ce merveilleux panel. Et du coup, j'aimerais qu'on parle un peu, quelques minutes, de pourquoi le modèle de recherche et d'innovation est important, qu'est-ce qu'il apporte à la société et dans ses différentes briques. Et donc, je vais peut-être commencer avec Pascaline et Alice, parce que je sais que vous avez un combat qui vous tient à cœur et qui est celui de la question de la transition écologique, environnementale. Et donc, ma question serait, pourquoi est-ce que c'est important, les sciences, dans ce domaine-là? Et puis, qu'est-ce que vous faites à ce sujet? Alors, je voudrais rebondir sur le mot de combat.
C'est vrai que ça évoque quelque chose en moi. C'est comme si on devait se battre contre quelque chose. Alors, c'est vrai que là, on a vu les chiffres tout à l'heure un petit peu déprimants. On voit où on en est, on voit où on voudrait aller. Avec le climat, avec la transition écologique, si on regarde ça, on en est là et on voudrait aller là. Mais en fait, alors c'est peut-être lié à ma personnalité, mais moi, je n'ai pas de colère. Je ne suis pas une militante au sens où je ne suis pas en colère. Je me qualifierais plutôt comme une exploratrice. C'est-à-dire, on voit cette marche-là. Alors, si on la regarde trop, on a le tournis, on a envie de rien faire, en fait. On pleure. Donc, on arrête de la regarder. Et l'autre, pour se mettre en action, je me qualifierais donc plutôt d'exploratrice de solutions. Comment est-ce qu'on fait un petit pas? Et là, à chaque fois, c'est vrai, là, mon nouveau métier, puisque je viens quand même j'ai un karma un peu noir, mais mon nouveau métier, c'est de justement permettre à des bâtiments de ne plus, de diminuer par 10 leur consommation en CO2. Et à chaque fois, chaque petit pas, je me dis, là, on a évité 400 tonnes de CO2 pour ce bâtiment-là, le suivant, et se concentrer sur les petits pas. Et juste pour répondre un peu plus globalement à cette notion de en quoi la recherche et la science peuvent apporter quelque chose, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut pas se contenter des sciences dures quand on parle du climat. Et ça a été vraiment une des choses. Je me demande si un jour, c'est un fantasme, je ne ferai pas une autre thèse en sciences humaines. Mais vraiment, il faut essayer d'être plus systémique, de regarder la globalité des problèmes et de ne pas se contenter, même si c'est déjà beaucoup, de notre domaine de prédilection pour se lancer ailleurs. Super, merci. De mon côté, je vous ai dit, je travaille pour un groupe industriel. Comment on peut travailler dans un groupe industriel et ne pas se poser la question de la transition énergétique? On est tous concernés et on a un rôle d'acteur. Et de mon côté, j'ai la chance d'être aussi en charge du développement durable pour mon business. Et donc, j'ai pu établir notre feuille de route stratégique sur comment on allait faire pour rentrer dans l'ambition du groupe Saint-Gobain qui est d'être neutre carbone carbone neutral en 2050. C'est très ambitieux. Il y a plein d'entreprises qui le font, qui se sont engagées vers cela. En Europe, c'est même un devoir. Dans le monde entier, ça ne l'est pas encore. Et donc, pour réussir à faire ça, on a besoin de compétences. Donc, au début, j'étais toute seule. Maintenant, j'ai une équipe de 3 personnes qui sont tous d'ailleurs ingénieurs et tous passionnés par la thématique. Et ensemble, on implémente cette feuille de route. Et donc, j'aimerais vous expliquer pourquoi la science est finalement si pertinente pour pouvoir réussir dans ce challenge. Et peut-être sous 3 angles. Donc, le premier, c'est typiquement la partie opérationnelle industrielle. Donc, Saint-Gobain, on a de nombreux sites partout dans le monde. Dans mon périmètre, j'en ai 78. On doit aider chacun de ces sites à se poser les questions de comment réduire leurs émissions de CO2 ou gaz à effet de serre. On doit utiliser du coup des compétences en génie des procédés, compréhension de comment optimiser les pertes thermiques, comment utiliser, reformuler des produits pour pouvoir, par exemple, utiliser des températures plus basses pour cuire un produit. On va regarder aussi tout ce qui est utilisation de l'eau. Beaucoup de procédés industriels utilisent des quantités d'eau assez faramineuses. Et donc, on se pose la question d'ingénieurs, de comment on peut recycler l'eau, la garder en circuit fermé, par exemple. Et enfin, la partie déchets, comment on peut éviter d'enfouir les déchets, comment on peut les revaloriser, les réutiliser dans nos process industriels, ou faire en sorte de les revendre dans une autre filière. Donc ça, c'est la partie industrielle, où toute la thématique scientifique est nécessaire, que ce soit en chimie, pour reformuler les produits. Et ensuite, le deuxième point, ce serait autour du calcul, finalement, en tant qu'entreprise qui vend un produit, on se doit de connaître l'empreinte carbone de nos produits. Donc, il y a plein de maths. Il faut faire des estimations, il faut comprendre comment le produit est créé, et globalement estimer sur toute la chaîne de valeur, que ce soit de l'approvisionnement. Donc on va regarder des entreprises qui nous fournissent, pour ne pas les nommer, des exemples comme Solvay ou Arkema, donc des entreprises de chimie. On va regarder ce qui nous donne en entrée, et on va devoir calculer, on a cette base, on hérite de cette empreinte carbone, et comment nous, on essaie de minimiser
l'addition qu'on va faire par-dessus pour offrir des solutions un peu plus durables. Et donc, on va aussi regarder toute la logistique en fait, suivante. Et donc là, on peut imaginer, hein, il y a plein de mathématiques, d'informatique pour optimiser les chemins de transit des véhicules, comment on va faire du circuit court. Et enfin, la fin de vie des produits, donc comment on va regarder, on va anticiper comment on va devoir enterrer, enfin pas enterrer, mais la fin de vie de ces produits-là, donc comment on évite et on les revalorise à la fin. Et le troisième, qui est vraiment en lien avec notre formation, c'est encore plus, je pense, à l'ESPCI, c'est l'éco-innovation. Donc comment on va en fait penser développement durable en fait, à l'initiation du lancement d'un nouveau produit. Donc on va se donner des objectifs à chaque étape et on va essayer de prendre le point de vue client, de comment lui, il aimerait finalement que ce produit soit valorisé tout au long de la chaîne de valeur. Et donc c'est des nouvelles compétences d'innovation, enfin partout dans toutes les entreprises, c'est quelque chose de nouveau. Et donc il y a la partie aussi de former les gens, donc on en parlait tout à l'heure, la vulgarisation, donc ça c'est quelque chose qu'on apprend à l'école et qu'on met en pratique, donc comment embarquer tout le monde, donner des compétences à ces gens-là, et c'est comme ça que la science finalement a un rôle critique dans la transition énergétique. Et on voit aussi dans tout ce que tu dis que, enfin, du coup, c'est des innovations à vraiment différents niveaux, que ce soit en chimie des matériaux, que ce soit en mathématiques, comme tu disais. Enfin, il y a vraiment du travail un peu de tous les côtés. Et du coup, pour être capable d'avoir ce type d'innovation à un niveau industriel, bah, il faut remonter la chaîne et il faut évidemment avoir des systèmes de recherche qui nous permettent de créer ce type d'innovation, puis d'avoir du temps long, d'avoir des choses vraiment disruptives. Et donc sur ce sujet, ben, j'aimerais bien que Jacqueline, vous nous disiez un peu le... Enfin, que vous nous parliez finalement de ce système de recherche français et de comment il fonctionne, comment il est en train d'évoluer, et puis qu'est-ce qu'il faut maintenir dans nos systèmes actuels. Oui, donc là, en particulier la recherche publique, donc est développée dans les universités, dans les laboratoires du CNRS, par exemple. Et donc, ce qu'on a vu au cours des années, en fait, pendant ma carrière, le système a complètement évolué entre le moment où j'ai commencé ma thèse et aujourd'hui. À l'époque, il y avait de l'argent qui était donné au laboratoire, qu'on appelle le soutien de base, ou le crédit récurrent. Et puis, les chercheurs faisaient leurs recherches. Et du coup, il y avait de la recherche vraiment au long terme. Si on regarde, par exemple, l'école de Serge Haroche, Alain Aspect, tous ces gens-là, s'ils ont pu faire leurs travaux, c'est parce qu'ils avaient les moyens, dans la durée, d'avancer tout doucement dans leur projet. Enfin, tout doucement, d'avancer progressivement. Et à l'époque où ils ont fait ça, ils n'avaient absolument pas l'idée que ça allait pouvoir servir aux technologies quantiques dont on parle aujourd'hui et donner lieu à des start-up, etc. Et du coup, pendant donc ma carrière, ce que j'ai vu, c'est vraiment un changement complet de modèle de financement de la recherche où finalement, au lieu d'injecter directement dans les laboratoires, tout l'argent est donné à une agence de financement qui s'appelle l'ANR et on doit écrire des projets et on doit dire dans ces projets à 3 ans ou à 4 ans, qu'est-ce qu'on va faire et on doit faire des tables où on va dire voilà, je vais découvrir ça l'année, le 6e mois et le 12e mois, je vais découvrir ça, et comme j'ai redécouvert ça le 6e mois, je vais pouvoir le 24e mois faire une publication. J'exagère pas, en fait, c'est vraiment ça qu'on nous demande. Donc évidemment, et après, les taux de succès aussi dans ces appels d'offres sont très très bas. Donc finalement, toute la communauté travaille à écrire des projets, travaille à évaluer les projets des autres, et en fait, on est en train de voilà. Et après, il faut donc il y a des contrats, et donc il faut embaucher des administratifs pour gérer les contrats, et après, il faut faire des enfin voilà, on est en train, j'exagère, mais on est vraiment en train de se noyer complètement dans un système, voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas supprimer les contrats, que c'est important de réfléchir. Quand on écrit un contrat, on se pose, on écrit des choses, on raconte une histoire et on se met avec d'autres pour collaborer. C'est utile, mais je pense que le soutien de base, et aussi il faut vraiment un équilibre pour que
on puisse aussi se projeter dans la durée, ne pas avoir à dire exactement ce qu'on va découvrir et à quoi ça va servir dans 20 ans, parce qu'on n'en sait rien. De toute façon, on travaille à écrire n'importe quoi. Alors avec ChatGPT, maintenant, on va pouvoir écrire les projets automatiquement. Mais je plaisante pas, les gens commencent à le faire. Donc c'est, le système est en train de devenir fou. Et après, donc, dans notre système, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de, qui est un peu unique, où il y a quelques pays qui ont ça, c'est le fait qu'il y a beaucoup de postes permanents et que du coup, il y a la notion de travail d'équipe. Et il y a la notion d'avoir des postes assez jeunes. Et ça, je pense que ça nous ramène à notre thématique du jour qui est les femmes en sciences. Je pense que pour les femmes, je sais qu'on a une horloge biologique. On ne peut pas faire une thèse, puis ensuite 10 ans de post-doc avant de savoir si on va avoir un poste permanent, si on va pouvoir poser ses affaires, ses valises, et puis élever des enfants, fonder une famille, etc. Et le CNRS... Enfin, moi, je suis rentrée au CNRS 15 jours après ma soutenance de thèse. Bon, c'est un petit peu exagéré. À l'époque, les gens avec qui je travaillais étaient rentrés au CNRS avant leur soutenance de thèse. Et aujourd'hui, voilà. Donc, avant, il y avait une classe au CNRS qui s'appelait les chargés de recherche de deuxième classe, qui était justement pour les chercheurs entre thèse, entre la thèse et thèse plus 5. Puis après, ceux qui faisaient un peu plus de post-doc, ils avaient une case spéciale, ça s'appelait les chargés de recherche de première classe. Il y en avait moins, mais on pouvait quand même rentrer. Il y a très peu de temps, on a supprimé cette frontière. Il n'y a plus que des chargés de recherche de classe normale. Et du coup, qu'est-ce qui se passe automatiquement? L'âge d'entrée au CNRS est en train d'augmenter énormément. Il y a des gens qui rentrent à thèse plus 10. Et évidemment, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le nombre de femmes diminue automatiquement. Après... Les femmes, souvent, ne vont pas en sciences parce qu'elles ont un problème de confiance en elles. Elles ont du mal à se mettre en avant. Ça a des causes peut-être sociétales, etc. Mais peu importe, c'est comme ça. Et je pense que le travail en équipe qui était possible au CNRS, ça donne un cadre. On peut être plusieurs à se projeter dans la durée sur des thèmes de recherche au lieu d'être tout seul avec que des noms permanents. Et je pense que c'était très inclusif et ça aide les femmes à petit à petit prendre leur autonomie et faire des grandes carrières. Et donc, je pense que aussi ce système de contrats, les contrats les plus prestigieux européens sont des contrats où c'est un chercheur, une personne qui est mise en avant. Et du coup, dans les CV, il faut avoir un contrat comme ça. Je pense que tout ça nous pousse à être très individualistes et encore une fois, le résultat, c'est que le nombre de femmes va baisser. Donc je pense qu'on a un modèle français qui a beaucoup de richesses et qu'au lieu d'essayer absolument de copier sur les pays voisins, on ferait mieux de l'aider à fonctionner bien et de le soutenir. Voilà. Donc ça fait partie de mon combat. Merci. Alors, on a eu la recherche, on a eu l'innovation et l'industrie. Mais souvent, une fois qu'on a mis en œuvre toutes ces innovations, qu'on a œuvré pour la société civile, il y a encore une brique dont on n'a pas parlé, qui est finalement parfois un arsenal juridique aussi dont on a besoin pour les défendre, ces innovations. Et puis, j'ai cru comprendre en lisant justement le petit texte « Femmes de science » de Gaëlle, qu'il y avait en ce moment des choses qui étaient en train de se passer au niveau européen, notamment sur le droit et la propriété intellectuelle. Et donc, j'aimerais peut-être que tu nous donnes ton point de vue sur ces sujets-là. Oui, en effet, j'ai cette chance de travailler dans une matière qui est extrêmement vivante, avec beaucoup d'évolutions. Et donc là, on se prépare même à une mini-révolution avec un nouveau tribunal qui va être créé à l'échelle européenne. Donc tout le monde est excité, moi y compris. Mais pour revenir sur la chaîne de valeur dans l'innovation, c'est vrai que moi, j'interviens tout à fait en aval et mon ancien poste, qui était d'écrire des brevets, c'était aussi pas mal en aval, c'est-à-dire que l'innovation, elle a été réalisée, et maintenant la question, c'est de la protéger. Et c'est vrai qu'on a cette culture à l'USPCI du dépôt de brevets. Et pourquoi c'est important? Alors, je sais que les brevets ont été pas mal décriés ces derniers temps autour des questions de vaccins, mais je vais quand même prêcher ma paroisse. Et je vais donner deux exemples. Le premier exemple, il a déjà été mentionné ce soir, c'est la recherche à l'Institut Pasteur. Et il y a eu des brevets déposés en rapport avec la découverte du virus VIH et les redevances résultant des licences données par l'Institut Pasteur
ont permis de financer une très grande partie des travaux de recherche au sein de cet institut qui n'a pas un but lucratif. Et donc, voilà comment créer de la valeur, disons même en interne finalement. Après, en externe, oui, il y a des grandes sociétés pharmaceutiques, mais je vais reprendre les propos de Jacques Levinard qui nous a exposé l'année dernière que, en fait, c'est la récompense du risque. Il y a un investissement phénoménal qui a été mis en œuvre pour qu'on ait ces vaccins en si peu de temps. Je pense que personne n'y croyait. Alors, il y a eu un ensemble de circonstances, mais s'il n'y a pas un système de brevet derrière, les sociétés, elles ne vont pas se lancer dans l'aventure parce que ça ne leur permettra pas de revenir sur les investissements massifs qui sont requis pour amener un médicament sur le marché. Et alors, je sais qu'il y a eu des critiques, le système des brevets est constamment remis en cause, mais c'est jamais aussi simple. Et je pense que si aujourd'hui, il y a des choses bien, des LED, des médicaments, mais c'est aussi parce qu'il y a des gens qui investissent et ils ont besoin d'avoir des garanties que voilà, ça ne va pas être, entre guillemets, pillé et perdu pour eux. Donc voilà le rôle dans la chaîne de valeur. Et je pense que c'est déterminant pour un certain nombre d'acteurs et, in fine, les consommateurs aujourd'hui. Merci. Alors, merci à toutes d'avoir participé à cette petite table ronde. On est un tout petit peu en retard. Je vais vous poser une dernière question avant de conclure. Et je vais vous laisser le choix, du coup, entre deux options. Alors, soit de raconter aux personnes qui sont dans la salle une expérience qui vous a marqué dans votre carrière et qui pour vous justifie le fait d'avoir fait une carrière scientifique et qui peut-être va donner envie à des jeunes femmes dans la pièce de se lancer. Soit un conseil pour ces jeunes filles qui nous écoutent, un conseil pour se lancer ou pour braver les difficultés qu'elles vont peut-être rencontrer. Alors j'y vais, on passe par le milieu. Moi, j'ai une anecdote conseil. Donc c'est une anecdote, en fait, quand j'étais étudiante, j'avais fait deux mois au Palais de la Découverte. C'était un rêve de petite fille de présenter des exposés, et notamment je faisais celui d'électromagnétisme et celui d'électrostatique. Et je me souviens qu'à la fin, il y a un monsieur qui était venu me voir et qui m'avait dit « Oh là là, moi j'ai fait des études d'ingénieur, mais... » Aujourd'hui, ce que vous racontez, ça m'évoque des trucs très très lointains, mais je ne fais plus du tout de science. Et vraiment merci parce que vous m'avez réactivé, vous m'avez rajeuni. Et je me suis juste dit, moi je ne veux pas devenir ça. C'est-à-dire, je me suis juste dit, je n'ai pas envie de tout oublier. Et donc, alors là en ce moment, ce n'est pas le moment, je relis des pactes et des trucs. Bon, voilà. Mais toujours, j'essaye de au moins une fois par mois relire un article scientifique et juste pas être dans cette situation de me dire je suis devenue une machine à faire des PowerPoint. Ah, le conseil, c'est un conseil aussi. Voilà. Oui, alors moi, c'est une toute petite anecdote. C'est vrai que c'est une grande fierté d'être avec vous ce soir. L'an 2000, notre promotion recevait le diplôme des mains de Pierre-Gilles de Gênes. 2020, je prêtais serment à la Cour d'appel de Paris. Et donc aujourd'hui, je fais partie de cette exposition. Mais le bonheur de la semaine dernière, c'est que du coup, j'en ai parlé au bureau et mon assistante vient voir. Mais qu'est-ce que c'est cette photo ? Oh, tu sais, moi, je ne regarde pas les réseaux sociaux, donc je lui montre le site. Et elle me dit, je vais montrer ça à ma fille. Et sa fille, elle est au collège. Et si c'est juste pour ça, je suis déjà très contente. Voilà. Moi, je voudrais juste dire que si on est passionné par la science, qu'on a des bons professeurs et qu'on se dit « Ouais, c'est trop génial !» et que voilà,
Il ne faut pas hésiter. Voilà. Si on a des questionnements, si on ne se sent pas assez forte, quand on a l'impression qu'on est nul, je ne sais pas pourquoi, mais on est toutes comme ça, et moi la première. Donc, demander à ma famille, il n'y a pas de... mais il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Et je pense que tous ces chiffres qu'on a vus aujourd'hui, tout le monde les voit. Toute la communauté scientifique en est consciente et toute la communauté scientifique a envie que ça change. Et donc, en ce moment... il y a quand même un petit biais. On est très content quand des jeunes scientifiques femmes viennent dans les laboratoires, ont envie de postuler au CNRS, etc. Et donc, il ne faut pas avoir peur parce que vraiment, là, le monde scientifique vous attend et a vraiment envie de vous recevoir. Donc, je pense qu'en ce moment, il y a une vraie prise de conscience et donc, il n'y a aucune raison de ne pas venir. Donc moi je vais prendre la deuxième option parce que la première option des anecdotes, j'en ai beaucoup trop et ça risque d'être trop long. Donc si vous voulez, au cocktail, ce sera possible. Je vais prendre la deuxième option qui est de faire un appel qui est non seulement pour les jeunes filles qui sont présentes, mais aussi pour les parents, les futurs parents. Parce qu'en fait, vous avez tous un rôle à jouer. Le problème souvent, c'est qu'il y a aussi un contexte familial qui fait que c'est très difficile de se lancer dans des carrières scientifiques en tant que femme, jeune fille. Et donc, pour les jeunes filles, oser essayer. Parce qu'en fait, finalement, la démarche scientifique, c'est d'expérimenter, d'explorer, de se tromper, de recommencer et d'essayer de juger par soi-même ce qui nous semble mieux. Donc, en tant que parents, laissez-les faire. Et comme vous le voyez, je pense qu'on est toutes témoins ici, la science est du coup au cœur de toutes les problématiques sociétales d'aujourd'hui. Et finalement, en fait, ça mène à tout. Donc c'est une super opportunité. Lancez-vous et laissez-les se lancer pour les parents. Merci beaucoup. Vous pouvez rester avec nous. On va juste rapidement conclure. Déjà, moi, j'ai été ravie vraiment d'animer cette table ronde et toute cette soirée. Mais je pense qu'effectivement, il y a eu des très bons choix sur les profils puisque vous avez... vous êtes des exemples. et évidemment, ce genre d'événement et ce genre d'exposition encore plus ne se fait pas tout seul. C'est énormément de travail, c'est énormément de partenaires aussi. Et donc, pour faire un petit mot de conclusion, remerciement, je vais demander, sous votre tonnerre d'applaudissements, d'accueillir Céline Ramondou, la directrice de la communication au SPCI. Merci beaucoup. En fait, je suis très émue parce que je prends très rarement la parole. J'ai l'habitude d'écrire des discours, d'écrire pour les autres. Mais là, je voulais absolument remercier. Je voulais remercier d'abord les femmes de science qui ont accepté d'être présentes, de se faire photographier, qu'on rentre dans leur intimité aussi ou dans leur labo. Donc, merci beaucoup à vous. Femmes de science, de nous avoir fait confiance. Je voulais remercier aussi nos partenaires, sans qui l'exposition n'aurait pas pu avoir lieu. Donc c'est le fonds SPCI, c'est les alumni aussi. Merci de votre confiance là aussi. Et puis merci à Pascaline, parce qu'on a pas mal travaillé ensemble. Sur cette expo et c'était vraiment chouette et ça m'a donné envie de continuer et puis de faire d'autres expositions sur les femmes mais aussi peut-être pourquoi pas au contraire sur les hommes aussi de science. Merci à Femmes et Sciences, c'est super. Merci Femmes Ingénieures, alors elles sont pas présentes parce qu'elles avaient un CA aujourd'hui. Mais elles sont de tout cœur avec nous. La Fondation L'Oréal aussi a failli être présente, mais en tout cas a été là grâce à Gaëlle et puis avec les chiffres que Gaëlle vous a présentés. Merci à toutes les personnes. J'ai l'impression d'être au César.
J'irai pas jusqu'à ma mère, mais merci à mon équipe, sans qui ce serait pas possible. Audrey, Kevin, aux photographes, à la photographe Nora, qui a pas pu être là, mais qui a fait un travail remarquable. Je pense que vous êtes contente de vos photos. Hein. Ouais. Merci à ma direction de m'avoir fait confiance sur ce projet. Ça me tenait à cœur parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Merci aux intervenantes aussi, qui sont mes collègues dans la salle. Et puis, bah, pour conclure, et puis pour finir cette belle soirée, je pense que je vais vous inviter juste à aller boire un verre, prendre un verre pour continuer la discussion. Donc, juste derrière vous, vous allez trouver un foyer. Vous allez retrouver aussi ces beaux portraits de femmes, parce qu'on a fait un doublon de l'exposition, que vous retrouverez là-bas. Et puis cette exposition, j'espère, va itinérer. Donc si vous avez des idées d'endroits où on peut mettre cette exposition à Paris ou en région ou à l'étranger, enfin il faut la traduire, n'hésitez pas. Voilà, bonne soirée et merci beaucoup.